L'ingénierie agroécologique a pour objectif de concevoir des systèmes agricoles durables en s'appuyant sur les processus écologiques des agroécosystèmes. Quel est son périmètre disciplinaire? Si on représente plusieurs disciplines, l'écologie, les sciences de gestion, les technologies, on voit déjà que l'agronomie couvre plusieurs de ces disciplines puisqu'elle s'intéresse au fonctionnement des agroécosystèmes, aux actions et décisions de l'agriculteur, aux systèmes techniques et à la façon dont les agroéquipements influencent ces systèmes. Comme l'ingénierie écologique et sa branche écotechnologie, l'ingénierie agroécologique est au croisement de plusieurs domaines disciplinaires, c'est vraiment un domaine d'intégration. Quels ingrédients pour l'ingénierie agroécologique? Elle a besoin de connaissances sur les composants biologiques et biophysiques des agroécosystèmes, sur les processus et sur la façon dont les pratiques culturales influencent ces composants et ces processus. Par exemple, on a besoin de connaissances sur le fonctionnement des cultures associées, la façon dont elles utilisent les ressources. Elle a besoin aussi de modèles qui représentent ces composants, ces processus et l'effet des pratiques culturales et qui permettent de tester des hypothèses ou bien aussi de tester des scénarios. Qu'est-ce qui se passerait si? Elle a aussi besoin d'outils d'évaluation qui permettent de considérer ensemble plusieurs types de performances, comme ici, sur ce petit radar, des performances économiques, sociales et environnementales. Et enfin, elle a besoin d'outils de dialogue pour concevoir à plusieurs, avec tous ses ingrédients, des systèmes agricoles durables. Et ces outils de dialogue peuvent prendre plusieurs formes, comme ici, sur ces photos, la forme d'un jeu de plateau. Concevoir à plusieurs, ça veut dire impliquer les acteurs qui vont mettre en œuvre concrètement des systèmes agricoles durables. Et ça veut dire aussi suivre une démarche de conception, selon une boucle de progrès avec différentes étapes représentées ici, étape de conception, d'évaluation ex ante avant le terrain, d'expérimentation et d'observation sur le terrain, et d'évaluation ex poste. Voici un exemple d'ingénierie agroécologique réalisé dans un domaine expérimental et publié en 2011 par Simon et collègues. Elle avait pour objectif de réduire la dépendance des vergers de pommiers aux pesticides chimiques. Des connaissances ont été mobilisées pour implanter des variétés peu sensibles aux maladies, pour ajuster les opérations culturales de manière à ce qu'elles ne favorisent pas les maladies et les ravageurs. Il s'agissait de la taille, de la conduite de l'arbre, mais aussi de la fertilisation et de l'irrigation. Du désherbage mécanique est appliqué sur le rang pour éviter le recours aux herbicides. Des méthodes de protection alternatives sont préférées, comme la confusion sexuelle pour lutter contre le Carpocaps des pommes, la chenille des pommes. Et enfin, des bandes fleuries sont installées dans le rang pour attirer les auxiliaires. Au cours de la campagne, le risque de dégâts par les maladies et les ravageurs sont évalués par des techniques de piégeage, par des modèles, par des comptages et par des suivis météorologiques. Avec ce verger reconfiguré, la fréquence des traitements pesticides a été divisée par deux par rapport à un verger conventionnel. Quelles sont les perspectives importantes et intéressantes pour l'ingénierie agroécologique? L'une d'entre elles est de passer à l'échelle du paysage, au-delà de la simple parcelle agricole. Ces dernières décennies, on a assisté à une simplification du paysage qui s'est accompagnée d'une perte de diversité. Faut-il recomplexifier le paysage? Il y a des effets parfois bénéfiques à cela, comme l'illustre ce graphique extrait d'une publication de Denez et Hall en 2017, qui montre que le taux de visite des pollinisateurs et le taux de fécondation des graines, puisqu'il s'agissait de céréales, augmente depuis les paysages dépourvus de haies, avec les ronds blancs sur la droite, jusqu'à des paysages bien couverts de haies, avec des ronds noirs sur la gauche. Cependant, d'autres publications, comme celle de Bianchi et Hall en 2006, montrent qu'un paysage complexe favorise les ennemis des ravageurs des cultures, mais pas du tout systématiquement la régulation des ravageurs. Et cette étude s'appuie sur plusieurs références bibliographiques pour démontrer cela. Donc la question de comment recomplexifier le paysage? Quelles infrastructures agroécologiques choisir pour mettre en place des systèmes agricoles durables reste une question ouverte pour l'ingénierie agroécologique. Une autre perspective importante est d'élargir la gamme des performances attendues des agroécosystèmes. C'est quelque chose qui est fait depuis assez longtemps, mais la notion de service écosystémique matérialise bien cela. Ces graphiques représentent des profils de services écosystémiques représentés sous la forme de radars qui ont été étudiés expérimentalement aux États-Unis par Siswerda et Robertson en 2014.
Dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit sur un radar donné différents services, la matière organique des sols, le stockage de l'eau dans le sol, le drainage, la conservation du nitrate, l'atténuation de l'émission de gaz à effet de serre. ANPP, c'est la production primaire. Et ensuite, il y a le rendement en céréales, en grains, puisqu'il s'agissait de céréales, et la diversité des plantes. Et ces profils sont représentés pour quatre systèmes de culture contrastés, conventionnels, sans labour, bas intrants et biologiques. Il y a des relations complexes entre les services écosystémiques, des relations positives, de synergie ou des relations négatives. On parle d'antagonisme et on le voit d'un simple coup d'œil sur ces différents graphiques. Et on note par exemple que pour le système biologique, il y a des bons compromis entre les différents services écosystémiques, même si des notes maximales ne sont pas atteintes pour tous les services. La question de comment gérer les agroécosystèmes pour la fourniture de services écosystémiques multiples reste une question de recherche ouverte pour l'ingénierie agroécologique.